Coucou, donc je vous ouvre ce vlog avec une recette, comme je vous ai dit sur Instagram, que j'allais réaliser une recette de tourteau à l'anis. C'est la première fois que je la fais et je vous ai demandé si ça vous intéressait de la voir. Vous m'avez dit oui, du coup je vais le faire, c'est la première fois que je le fais. Je vais je vais pas parler parce que mon copain il fait un télétravail, là, il doit téléphoner, il a un rendez-vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout simplement les ingrédients un par un et je vous mettrai les quantités à l'écran. Et voilà, tout simplement. Suppress my feelings, cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain. Donc là, c'est un poisson qui s'appelle la lengue que j'ai acheté chez mon poissonnier là. Et du coup, comme j'avais des légumes et tout, là j'ai mis un côté avec des poivrons et un côté oignons et tomates. Je vais tout assaisonner avec des herbes, du poivre, du sel et tout. Je vais le fermer en papillote et je le ferai cuire.
et je vous montrerai le résultat. Donc j'espère que vous allez bien, je vous reprends, je vais vous poser là dans l'armoire. Oui, hop là, voilà, vous êtes dans l'armoire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, en fait, je sais pas quand est-ce que je vous ai parlé dans ce vlog. En tout cas, je crois que je vous ai parlé au tout début du mois de février. On n'est pas à la fin du mois, mais on est le 11, on est le samedi 11 février. Vous êtes dans l'armoire, donc la luminosité n'est pas terrible. Donc, on est le 11 février. Franchement, je suis super, super, super occupée en ce moment. Et en fait, je suis tellement occupée entre la fac, le travail, le ceci, le cela. En fait, vraiment, j'ai énormément de travail à l'université. J'ai énormément de travail à mon stage parce que là, je vais être évaluée le 17. Et en plus de ça, ben, je travaille à côté. Donc, voilà. Et en fait, j'ai eu une espèce de grippe. Ça a duré 3 jours. J'étais crevée. Quand je suis chez moi, j'ai un tas de choses à faire parce qu'en fait, du coup, quand je suis chez moi, enfin, déjà, la moitié du temps, plus que la moitié du temps, je suis pas chez moi. Et quand je suis chez moi, en fait, ben, j'essaye de faire mes devoirs et tout ça. Mais des fois, je suis crevée et puis il y a toujours les courses, le manger, le linge, le ci, le ça et tout à faire. Donc, même si mon copain, quand même, il m'aide pour les tâches ménagères, ben, enfin, il va pas tout faire non plus parce qu'il travaille, quoi. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses à faire en ce moment. Plus, ben, il faut s'occuper du chien et tout, donc voilà. Et là, ce matin, je devais aller faire les courses avec mon père, donc à la Jonquière, comme on fait tous les mois. Je lui ai dit, franchement, on ira demain parce que j'ai trop de trucs à faire aujourd'hui, quoi. Donc voilà, cet après-midi, on a conclu avec nos amis qu'on allait faire une session de jeu, d'un jeu de rôle, quoi. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, ça fait longtemps qu'on fait rien ensemble et tout. Et puis, enfin, voilà, donc cet après-midi, à partir de 15h30, je n'existe plus, je reste avec mes amis. Et ce soir, on va manger tous au restaurant. Donc, c'est bien aussi. En fait, j'essaye d'avoir quand même une vie sociale. Mais c'est pas facile. Et en plus, là, par exemple, je devais faire un make-up artistique sur Antonio de Encanto. Et je vais le faire aujourd'hui. Hein. Mais du coup, avec un jour de retard, je le posterai. Mais ce que je veux dire, c'est que je devais le faire à l'avance. Et j'ai pas eu le temps. Et comme c'est un make-up full face artistique, en fait, ça prend plus de temps que les autres et tout ça. Mais j'ai vraiment envie de le faire. Donc, je vais le faire aujourd'hui. Là, je vais m'habiller. Je vais aller sortir le chien parce qu'il est presque 11h du matin. Donc ben, quand même il faut que je le sorte hein. Et quand je rentre je fais ce make-up là. Parce que là ce matin en fait je me suis réveillée. J'ai pris mon petit déjeuner. Et j'ai bossé pour mon stage et tout. Enfin j'étais en train de préparer les cours pour les collégiennes hein. Et là j'ai fini en gros j'ai fini de préparer le cours. Et j'ai dit non là je fais une pause j'arrête. Parce que hier j'ai passé plusieurs heures et tout à travailler et tout. En fait j'en ai marre aussi à force. Et à force je fais pas du travail de qualité. Et étant donné que c'est super important parce que là je suis notée et ça va valider ou pas mon semestre et donc mon master, je préfère disons prendre plus de temps pour le faire, m'y remettre par exemple plus tard dans la journée, donc ce soir non, mais plus tard peut-être après manger avant de jouer avec mes collègues ou demain pour m'aérer un peu la tête parce que sinon à force ça marche pas. Donc là je vais m'habiller, promener le chien et quand je reviens de promener le chien je fais le make-up Antonio. Comme ça, après, je vous le poste. Je vais à la douche, parce que j'irai à la douche après le make-up, parce que comme c'est un make-up artistique et tout, quand je vais me maquiller, ça va me foutre partout. Donc j'irai à la douche après. Et vraiment, voilà. Et sinon, en ce moment, chez moi, quand je fais pas du travail ou quoi, déjà, je me repose parce que je suis fatiguée. Donc genre, je dors plus tôt que d'habitude, on va dire. Et sinon, je joue beaucoup à Board Game Arena. C'est un site en ligne de jeux de société. J'adore les jeux de société, mais comme on est que deux à la maison, bah, des jeux de société à jouer à deux, il y en a, mais bon, on n'est pas non plus, il n'y en a pas 50 000. Mais du coup, c'est un budget aussi, les jeux de société. Alors que là, je vois en ligne, moi j'ai un abonnement à l'année, c'est 30€ l'année, et en fait, on peut jouer à tous les jeux du site et tout, enfin voilà quoi. Et du coup, j'aime beaucoup ce site, ça fait plusieurs années que je joue maintenant sur ce site-là. Donc voilà. Si vous voulez me rejoindre sur Board Game Arena, mon pseudo c'est MV66. Voilà, tout simplement. Vous pouvez m'envoyer une invitation d'amis. Et parfois on pourra jouer ensemble à des sociétés. Voilà, il n'y a aucun problème. Si du moment que je suis connectée. Voilà. Du coup, ouais, là je m'habille. Oui, Shadow, tu veux dire bonjour? Tu viens? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Oui? Ah, tu préfères que je te caresse hein. Tu dis bonjour là? Bonjour! Dis-moi! C'est moi, oui. Et du coup, oui, c'est pour ça, ce mois-ci, en plus, je vous ai pas montré le poisson et tout. Je vous ai montré avant et je vous ai pas montré après. Après, c'est exactement pareil, sauf que c'est cuit. Voilà, et c'était super bon. On l'a fini hier soir. Et voilà. Oui, maman, elle a pris des chaussettes. Elle a ses habits qui sont là. Elle va aller te promener. Oui, on y va. On y va.
il sait pas où on va, mais il est content quand on dit on y va. Et je sais pas quand est-ce que je dois poster ce vlog, mais oui, sachez que du coup, bah, ce soir, on va au restaurant. Peut-être que je vous ferai genre une petite vidéo vite fait. Demain soir, on est invité aussi, on va manger pizza. Donc, je vais aussi vous faire une petite vidéo si j'y pense. Et la semaine prochaine, dimanche 19, je joue au théâtre. Je vous filme pas quand je vais au théâtre et tout, mais voilà. Et après, parce que franchement, cette semaine, je suis débordée, quoi. Donc, je sais pas ce que je vais vous filmer ou pas. Mais là, j'ai dit, allez, je vais leur parler un petit peu pour le vlog. Et voilà. Donc, je sais pas si je reviendrai vous parler. En tout cas, je reviendrai clôturer le vlog en temps voulu. Mais voilà, ce mois-ci, très peu de choses. Enfin, vous avez vu les images d'avant, quoi. C'est des petites vidéos courtes en musique ou quoi. Enfin, ou avec très peu de. Enfin, très courtes, quoi. Parce que tout simplement, je suis débordée et fatiguée ce mois-ci. Vraiment, là, le 25 février, c'est les vacances universitaires. J'ai trop hâte. Je vais juste rien faire. Littéralement, je vais rien faire du tout. Je suis trop fatiguée. Et je vais profiter des vacances pour rien faire du tout, du tout, du tout, du tout. Vraiment, ça va être génial. Voilà. Donc, on est le soir. J'ai un peu... On va aller au restaurant. Bon, là, j'ai un peu... C'est un peu merdé, mon maquillage. Je me suis maquillée avec le Dazzle Stick, là, de chez KVD. Je suis dans ma salle de bain. La luminosité n'est pas terrible. Mais je vais mettre les boucles d'oreilles que Nancy m'a offert à Noël. C'est la première fois que je les mets... Enfin, à Noël, dans notre calendrier swap. Et je voulais juste revenir sur ce pull que j'ai acheté avec l'argent que j'ai eu à Noël. Là, je ne sais plus, je voulais montrer dans la vidéo mes cadeaux de Noël. Et vraiment, je l'aime trop. Il a une matière et tout. Trop agréable. Attendez, je fais n'importe quoi. Il a une matière trop agréable. Enfin, j'aime trop. Les boucles d'oreilles, elles vont bien avec ma tenue. Parce qu'en fait, elles sont genre rouges comme ça. Donc, ça rappelle ça. Et avec, j'ai mis mon jean. Un jean, quoi. Du coup, c'est très bien. Du coup, maquillage très simple. Moi, là, il est un peu coulé et tout. Enfin, on voit que ça fait plusieurs heures que je porte. Mais voilà, je me suis lavé les cheveux. Bon, on va au port manger. Évidemment, à l'intérieur parce qu'il fait super froid. Mais du coup, je vous avais dit que je vous reprendrai pas. Mais du coup, comme je me suis un petit peu apprêtée pour une fois, je porte le gloss The Balm. Il est très agréable. Mais au bout de quelques temps, il y en a plus, quoi. Genre, là, cet après-midi, je l'ai porté. J'ai rien mangé, j'ai rien bu. Il fallait que j'en remette parce qu'il n'y avait plus. Mais bon, c'est un gloss, quoi. Donc, voilà. Coucou. Donc, pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'étais plus chez moi, là. Enfin, je suis pas chez moi ces jours-ci. Parce qu'en fait, j'ai été très fatiguée ces derniers temps et tout. Enfin, sur Instagram, je vous expliquais en story. Et du coup, je suis actuellement en observation à la clinique. Et voilà. Du coup, je vais clôturer ce vlog ici, tout simplement parce que je vais pas sortir. Enfin, là, j'ai 3 jours d'observation. Avec des analyses de sang, d'urine et de tension. Et du coup. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog, il aura été court et assez ennuyeux, je le ferme en plus un peu brutalement, franchement je suis en pyjama, je me coiffe, je suis pas coiffée et tout, mais j'ai mis de la crème hydratante, voilà, mais voilà, enfin je fais rien de spécial, je passe la journée à regarder des vidéos, des séries, des films, à jouer sur Podcam Arena, des choses comme ça, donc voilà, je fais rien de spécial. En tout cas, je clôture ce vlog ici. De toute façon, quand j'ouvrirai le prochain vlog, je vous dirai comment je vais. Hein. Mais je reste à la clinique. Donc, j'ai rien de spécial à vlogger. Du coup, je vais clôturer ce vlog. Comme ça, je le monte et je le programme sur YouTube pour mercredi. Donc là, aujourd'hui, quand cette vidéo est publiée, on est mercredi. Pour moi, c'est dans quelques jours. Donc voilà, parce que même... je vais rentrer chez moi avant mercredi. Enfin, j'espère que mes analyses seront bonnes. De toute façon, je vais me reposer et tout, je vais pas vlogger et tout, donc voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse, vous inquiétez pas trop pour moi, je vous donne des nouvelles. Et à bientôt.